Depuis quelques années, la plupart des banlieues ont déjà leurs représentants, comme par exemple à Sevran avec Caris, Maes ou même Kalash Criminel, mais il y en a encore quelques-unes qui sont moins riches en rap. Heureusement, de nouveaux rappeurs commencent à pop autour de Paris et sont là pour défendre là où ils ont grandi. Par exemple à Clamart, la principale tête d'affiche, c'est PLK. Mais depuis peu, on entend beaucoup parler d'un nouveau rappeur drill dans le quartier, impliqué 140. Et les 22, je suis sur mes gardes, j'ai confiance en ma force et la force de mes gars. Y'a plein de rappeurs drill qui sont apparus récemment, certains reprenant typiquement les codes de la drill UK, la manière de s'habiller, de se masquer, en ayant un couteau, comme Ziak par exemple. Mais y'en a d'autres qui ont su l'aborder d'une autre manière, faisant peut-être un peu moins cliché et un peu plus made in France, comme a pu le faire Impliqué 140. En fait, ce que j'ai tout de suite kiffé chez Impliqué 140, c'est qu'il rappait vraiment les quartiers de France, sans essayer de reprendre quelconque code d'écriture, tu vois, de la drill. Rangez votre couteau et votre cagoule, mettez votre meilleur ensemble du Bayern, parce que aujourd'hui on revient sur le parcours d'Impliqué 140, de son commencement à son dernier album. C'est parti. Je me rappelle de cette nuit là, impossible d'effacer le passé. J'ai la poisse mais j'ai pas galère lassée. Je débute sur l'instru comme si je suis pressé alors que j'ai tout mon temps. Mais juste avant les refs, merci beaucoup Faceview de sponsoriser cette vidéo. Ça me fait plaisir parce que c'est un sponsor qui change de d'habitude, qui est vraiment intéressant et qui a vraiment un rapport avec la chaîne. Faceview, c'est une encyclopédie sur la musique avec toutes les discographies des artistes, leurs vidéos, leurs dates de concert et surtout des anecdotes bien croustillantes sur les backstage. Par exemple, j'ai appris que Impliqué c'était le frère de Kobalade. Bon, ça c'est faux, mais il y a vraiment des trucs lourds en tout cas. Et le plus cool dans tout ça, c'est que sur Faceview, les informations sont rentrées par les utilisateurs et ces utilisateurs sont récompensés pour leurs connaissances. Genre, en contribuant, tu gagnes des points que tu peux utiliser pour gagner de vrais cadeaux. Il y a vraiment des trucs grave lourds. Genre, tu peux acheter du matos pour faire de la musique, il y a aussi des vinyles, des livres, des t-shirts et plein de trucs trop cool. En quelques mois, en partant de zéro, le site compte déjà plus de 110 000 pages d'artistes. Donc, peu importe l'artiste, même s'il est un peu moins connu, normalement tu devrais trouver des trucs. Évidemment, tout ça c'est 100% gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement. Et en plus de ça, les gars, j'ai un code pour vous faire gagner 500 points. C'est SIXELA500. Donc mettez-le comme ça. C'est des cadeaux gratuits, les gars. Je vous ralasse, tu vois, ça fait plaisir. Merci Facebook d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description. Allez voir ça, les refs. Et on reprend la vidéo. Qui est Impliqué 140? Prénom, nom, âge, 21 ans, origine, comorien. Il vient du quartier de la Plaine, à Clamart, d'où le 140 dont son blaze en ref à sa ville. Comme beaucoup de rappeurs drill, il est hyper mystérieux, zéro feat sur ses projets, zéro interview, il a fait uniquement une apparition sur Skyrock, et même là, il a laissé un gars de son équipe pour parler à sa place. Genre, on le voyait qu'au moment où il fallait rapper. Pourquoi Impliqué 140 ne parle pas, ne s'exprime pas? Parce que on estime qu'il s'exprime déjà suffisamment à travers sa musique. S'il n'y avait plus de lâchage, je ramène l'éléphant bleu. Il représente à fond son quartier à travers ses clips. La plupart sont filmés directement sur place. Et surtout à travers ses sons, vu qu'il en parle beaucoup. 9-4-0-140 Bricks. S'il y a un problème, t'as mon adresse. Run de la cité, on t'agresse. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut enfin venir sur son parcours. Clamart, 2018. Alors qu'il a à peine 17-18 ans, Impliqué va commencer à s'intéresser au rap. Il va enregistrer ses premiers freestyle drill qu'il balancera l'année d'après sur Instagram. J'ai calé doré entre les jambes, je suis que tartiné pour avoir les couilles en or. J'ai fumé la beuh et j'ai perdu le nord. 4 épisodes de 1 minute chacun, dans lesquels il parle de sa vie à Clamart, de la vente de stup et de ses galères avec la police. Des thèmes très banals dans le rap, mais lui il arrive à en parler à sa manière. C'est beaucoup moins romancé comme pourraient le faire les autres rappeurs. Il raconte juste la réalité, son quotidien. Faut brasser de la street, négro, faut pas se noyer. Si on cardiaque au feu rouge, tu rentres ailleurs. Aujourd'hui, les freestyles ont tous été supprimés d'Instagram, mais il les a re-upload sur la chaîne YouTube. Après avoir mis un premier pied dans la scène rap et commencé à avoir son début de public, Impliqué va commencer à être très régulier en enchaînant directement avec une nouvelle série de freestyle, les Freestyle Bâtards. On est plus des ados bâtards, pour des hommes, on va se battre. Je suis à l'arrière de la tchat, j'ai plus de batterie, mais y'a une racli qui me fait une gâterie. 3 épisodes, tous directement dispo sur sa chaîne YouTube. Chacun va monter au million de vues très rapidement. C'est vraiment la continuité de ses précédents freestyles, c'est les mêmes thèmes abordés et même style de clip. 2 mois plus tard, février 2020, Impliqué balance un freestyle hors série. Je perds pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Je dis que t'es un vrai, mais dans le Jekar tu fais nada. Freestyle qui a été enregistré et clippé en 2 jours seulement. Le son il a été enregistré le 21 février, le clip il a été fait le 22 et c'est sorti le 23. Ah oui, vous vous traînez pas en fait. Mais qui va permettre à Impliqué de prendre un nouveau statut et confirmer sa place dans le game parce qu'il va faire des scores de fou. Genre aujourd'hui le clip il se rapproche des 20 millions de vues. Ce qui va plaire c'est surtout la première partie du son qui est complètement différente que ce qu'a pu faire Impliqué jusqu'à présent. C'est un style beaucoup plus old school, ce qui prouve sa polyvalence. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Et d'ailleurs ce passage il va faire grave le tour des réseaux, surtout TikTok. C'est à partir de là qu'Impliqué commence à un petit peu se faire valider par les autres rappeurs. Les mois qui vont suivre, il va continuer à balancer des freestyles et des sons, toujours en restant hyper régulier. Et maintenant que le public est réellement impliqué dans l'univers d'Impliqué, ça va être le meilleur moment pour lui de balancer sa première tape, Impliqué. Je peux pas arrêter de plafonner, j'ai envie d'arrêter, mais j'aime trop la monnaie, je retombe dedans. À chaque fois que c'est la pénurie, je retombe dedans. À chaque fois que c'est la pénurie. Produit principalement par Banks Beats, un gros beatmaker qui a déjà taffé avec une grande partie du rap game. Il écoute pas forcément les mêmes sons que moi, mais on a appris à se connaître humainement et musicalement.
musicalement et on a fait un mix de nos kiffs. Le P fera pas des gros scores, ce qui est plutôt normal vu que c'est son premier projet. Du coup, impliqué, il va pas en rester là. Il va continuer à balancer les clips en enchaînant les millions de vues et avant de conclure 2020, il va sortir un deuxième volume qui cette fois-ci sera bien plus attendu. Chacun son métier, le mien c'est de ravitailler. Blouh, une rafale, tous tes négros vont tailler. Il va quadrupler les ventes du volume précédent. Un projet de 10 titres, encore une fois, zéro feat et très peu de refrains. Il y a évidemment toujours des sons bien drill, bien vénère, parce que c'est le fil conducteur de sa carrière depuis son commencement. Mais ce qui va changer, c'est qu'Impliqué va beaucoup plus s'ouvrir à de nouveaux styles. Un changement de recette avec des morceaux beaucoup plus mélodieux, voire mélancoliques. Ça se voit qu'il a fait l'effort de s'exporter au grand public avec des sonorités bien plus planantes. Au début, elle voulait de l'amour, mais tous les gars l'ont déçu. Elle aussi, elle veut se ranger, mais son démon prend le dessus. 2021 sera un peu moins chargé pour Impliqué. Il va balancer seulement 4 clips au cours de l'année par rapport à 2020 où là il en avait sorti 10. En avril, il va sortir par surprise un nouvel EP, Arrêtez-le. Mélangeant là encore des sons drill avec des sons plus mélodieux, le projet sera un moins gros succès que Implique-toi Volume 2. Sûrement dû au fait qu'il y ait moins de singles évidents à part Umbag 2. Mais bizarrement, Impliqué, il a pas décidé de le clipper alors qu'il avait un gros potentiel. Alors il va disparaître quelques temps avant de revenir plus fort en ce début d'année. 7 janvier 2022, il va de nouveau surprendre tout le monde en balançant le deuxième volume de Arrêtez-le, accompagné d'un gros clip au Canada, ce qui montre une nette évolution par rapport à ses clips précédents qui étaient toujours filmés dans son quartier. On voit vraiment qu'il s'est professionnalisé de fou, c'est sûr qu'il y a plus de moyens qu'avant. Sans que le projet soit distribué en physique, il va faire le plus gros démarrage de sa carrière. J'ai pas tellement de choses à dire pour la conclusion. Impliqué, c'est un rap auquel j'ai pris du temps à accrocher parce qu'à la base ça reste un style assez particulier, mais là depuis son dernier projet je pense que je l'ai jamais autant écouté qu'aujourd'hui. Je pense que ça doit être le cas de beaucoup aussi au vu des chiffres qu'il a fait. Comme l'a dit Impliqué, il est surtout là pour faire du bif et il compte pas rester longtemps. Alors profitons de ses sons avant qu'ils disparaissent. Encore merci Faites-vous d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, le lien est en description. On se revoit très bientôt. Ciao.